La médecine du crapaud est extraite du crapaud du désert de Sonora, du fleuve Colorado, Incilius alvarius ou Bufo alvarius, qui est endémique du désert de Sonora en Amérique du Nord. Les glandes du crapaud contiennent un venin dont un composé chimique est une tryptamine qui s'appelle 5-MeO-DMT. Le crapaud ne subit aucun tort durant le procédé d'extraction. La DMT est un neurotransmetteur. Elle se trouve de manière endogène dans le corps humain. Quand on consomme de la 5-MeO-DMT, le corps augmente la production de neurotransmetteurs similaires, tels que la sérotonine, la mélatonine, le tryptophane et autres enzymes qui aident à nettoyer et régénérer le corps, provoquant la libération d'une quantité considérable de stress inconsciemment accumulé. Il a été démontré scientifiquement que la consommation de 5-MeO-DMT ne cause aucune sorte de dépendance. Au contraire, elle a le potentiel de couper les dépendances, les tendances répétitives, les habitudes, les manies, les compulsions. Il existe des cliniques où les patients qui souffrent de dépendance reçoivent justement la médecine du crapaud comme traitement. Pour clarifier, à ce jour, il n'y a aucune indication que la consommation de 5-MeO-DMT de type organique cause d'effets secondaires nocifs ni de conséquences nuisant directement ou indirectement à l'état de bien-être physique, mental ou émotionnel. Comment la médecine du crapaud est-elle consommée? La fumée de sa combustion est inhalée et retenue dans les... Quelles sont les sensations vécues au moment de la consommation de la médecine du crapaud? Dépendamment de l'état de conscience ou de l'intoxication antérieure accumulée d'un ou d'une participante, celui-ci ou celle-ci peut faire l'expérience de certaines de ces sensations au point culminant du rituel. Une libération importante de stress accumulé, conscient ou inconscient. Dissolution de mémoire cellulaire réprimée, parfois génératrice de dépendance, compulsion, troubles psychomatiques, manie et souffrance. Déconnexion partielle ou totale de la réalité physique ou visuelle, qui peut modifier notre perception ou point de vue. Fusion avec la présence, être ici et maintenant. Sensation d'être propulsé dans le vide à grande vitesse, lâcher prise du contrôle par l'ego. Sensation que le corps explose en millions de particules, la reconstruction des réseaux de synapses dans notre cerveau. Que se passe-t-il pendant le point culminant du rituel? Après avoir consommé la 5-MeO-DMT, le ou la participante fait l'expérience d'une sensation de profonde libération de leur bagage traumatique émotionnel. Y a-t-il des contre-indications? Oui. Si vous prenez des antidépresseurs, surtout de type tricyclique, ici vous les avez pris dans les 3 mois qui précèdent la médecine du crapaud. Comme la 5-MeO-DMT et certaines substances contenues dans les médicaments antidépresseurs travaillent dans la même région du cerveau, c'est extrêmement important de respecter cette contre-indication. Il est important de reconnaître qu'il y a une distinction qui est faite entre la 5-MeO-DMT organique et le produit synthétisé contenant de la 5-MeO-DMT. La médecine du crapaud travaille d'elle-même. Le processus d'administration est un rituel qui implique d'accompagner une personne qui vient à la rencontre de la médecine dans l'objectif de transformer ou d'élargir son état de conscience.